Allez, salut tout le monde, salut Warwick, bienvenue dans Portal Knights. Salut Dan, salut tout le monde, bienvenue dans le tunnel. Dans le tunnel de la mort qui tue. Et ah, ça y est, je vois le bout, je vois le bout. Vous allez voir où est-ce que ce qu'on va aller. Oh, le soleil qui se lève, le soleil tout violet. Alors, changement de décor, gros changement. Vous voyez, donc par rapport au dernier épisode, vous voyez pas encore Dan, on a un peu changé de tenue. C'est le résultat de toute la quête pour Halloween qu'on a mis entre temps, qui nous a du coup obligé à avancer au niveau des mondes. Regardez, c'est moi, salut. Oulou. Ouais, terrible, j'adore le déguisement. Ça le fait avec la tête de citrouille. En plus, dans cet environnement. Ouais. Tout à fait dark et violet. Et donc, au niveau des îles. Je fais un. Un gros fail ? Ah non, regarde. Tout de suite, un gros fail, quoi. J'ai fait une roulade dans l'air pendant mon saut. J'y arrive plus. Ah, bon. Oui, je disais. On a fait un gros bond en avant pour pouvoir récupérer les fragments rouges qui nous a permis d'ouvrir le fameux portail pour atteindre la quête d'Halloween. Je commence. Du coup, ah là, toi, je vois, il y a Fête le singe. Toi, je pense qu'on va aller faire ça. Parce que apparemment, j'avais repéré que les petites boules de cristal, je sais plus comment ça s'appelle le nom, j'oublie à chaque fois, multicolores, on les obtient en faisant les quêtes. Donc, faut vraiment aller les faire. Donc, nous, là, on en est quasiment à la fin. Il reste plus grand chose. Donc, on va faire la quête ici, qui nous permet d'ouvrir le portail, d'avoir la clé pour ouvrir le portail pour accéder au boss. Yo, regarde, je vais recommencer. Vas-y, t'as compris comment faire ? T'as pas vu ? Non, vas-y. Regarde. T'as vu ? Ah ouais, joli. Oui. Tu fais comment ? En fait, faut la faire très... tu fais un saut, tu commences ton saut, mais très vite après, tu fais ta roulade. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, bon, j'ai pas la bonne arme contre eux. Qu'est-ce qu'il faut contre eux ? Lumière. Ok, je vais prendre le truc de lumière. Donc oui, donc du coup on est mieux équipé qu'avant quoi. Mon or immortel. Regardez-moi ça. Voilà, donc on a fait un bonbon en avant. Un bonbon en avant, ouais. C'est très bon d'ailleurs, c'est très sucré. Ah, on a encore la baguette, hein, tout ce qu'il faut. On a du titane, on a... c'est trop bien. On est équipé. Là on a été faire avant... Merci Halloween. Oh là, j'ai mangé là. On a été récupérer de quoi faire les potions de soins. Alors là, faut qu'on trouve la personne qui nous donne la quête. Oula, qu'est-ce qui est tombé ? Une météorite ? C'est un mucus ? Ah non, c'est... Ah oui, c'est un météorite. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Vas-y, casse, tu vois. Je reprends ma pioche. Météorite, ok. C'est tout. Pareil, on prend une. Bonbon au maïs, je le mange. Voilà. Oui, alors c'est vrai qu'avec l'arme d'Halloween, là, la baguette... Ça permet de récupérer des bonbons. Elle est pas mal, hein. Faut dire. Elle est assez puissante. Alors, oh, y a un truc là. Donc là, en fait, on sait pas très bien ce qu'il faut faire. Bah, faut trouver la personne qui donne la quête. Ouais, d'accord. Je vais voir dans la tour, là, au milieu. Je vois personne. Oulala. Donc, du coup, on a sauté pas mal d'îles intermédiaires, quoi. J'aurais peut-être pu m'en sortir. Mais je suis tombé. Je le sentais, je savais qu'il y avait un trou. Ah oui, c'est bien là. Docteur Stella Maris. Et toi, qu'est-ce qu'il a dit ? Vous, tout en haut de la tour. Vous êtes là au sujet du cristal. Il semble avoir causé la pluie de météores. Il porte des traces d'énergie de portail, mais je doute qu'il vous soit utile, inerte comme il est. Peut-être pouvons-nous utiliser les météorites pour lui insulfer à nouveau de l'énergie. Ah bah tiens, les météorites. Ben voilà, allez. Mes postes de recherche sont placés non seulement à des endroits d'importance astronomique, mais aussi sur des lignes de force. Oh. Si vous placez les météorites à ces postes, il est possible qu'ils insufflent de l'énergie au cristal et qu'ils soient réactivés. Cela vaut le coup d'essayer, non ? Acceptez, bien sûr. Bien, trouvez les météorites, puis trouvez mes postes de recherche. Vous les reconnaîtrez quand vous les verrez, je vous le promets. Ensuite, placez les météorites à l'intérieur. Ok, donc météorites, 3. Combien ? Non, apparemment 3. Parce que j'en ai déjà 3, moi. Bon, bah voilà, maintenant faut trouver... Ah oui, mais par contre, tu les as récupérés avant. À mon avis, c'est trop tôt, faut recommencer. Ah bah pourquoi ? Parce que la quête, elle a pas détecté. T'as été trop rapide. Attends, je vais trouver une astuce.
On peut pas les lâcher. Si, essaye de les lâcher, de les reprendre. Ouais, ok. Attends, je reviens à la zone d'atterrissage. Ah, je me suis fait très bobo. Non, pas bien. Qu'est-ce que t'as fait ? Une chute. Mais pas mortelle. Bon, ok, on va essayer ça. Yeah. Comme tu dis. Ah, mais faut activer les postes. En fait, si ça se trouve, c'est bon, c'est juste la notion d'activer les postes. Par contre, faut trouver ce que c'est les postes. Elle dit qu'on. Ça se verrait. Maintenant, je peux plus les prendre, mes météorites. Elles sont faut par attendre terre. Un petit peu. Faut attendre un petit peu. Elles sont en, comment dire, en, entourées d'un espèce de champ de force violet. C'est bon. Voilà. Voilà. Maintenant, faut trouver donc l'endroit Black où Death on peut les poser. 0.20 qui arrive. Yeah. Oh. Ah, je voyais, c'était une mise à jour de Kings and Heroes. Ah, je vois un truc là-bas, orange. Ah, ah, j'en vois deux. Regarde, regarde, regarde. Au loin, si tu lèves un peu les yeux, tu vois des trucs oranges, des points oranges. Ah oui, 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 je les vois. Voilà. Oui, je disais donc Kings and Heroes. Bah attends, je vais là-bas. A eu une grosse mise à jour, j'ai dû la mettre en pause parce que sinon je l'avais un peu dans l'os. Ah ouais. Un gros truc de moins de 2 gigas. Et ils disaient dedans qu'ils avaient désactivé le PVP. Parce que c'est bah le. Comment dire là. Ah bon. La balance, mince, c'est... l'équilibrage des classes n'est pas bien encore pour le PVP quoi. Ah. Okay. C'est vrai que ça c'est un point important parce que c'est. Bah c'est oui. Toujours très difficile comme ce petit détail de d'équilibrage. Ah ça peut ruiner un jeu hein. C'est ah très complet grave, hein. Très important. Alors. Ou d'autres jeux comme ça. Ah oh, en moins de 2. Ce qui fait toute la puissance d'un jeu quoi. Ok, j'en ai placé un, ça fait des étincelles. Hop, merde. Ah non, c'est bon. Pardon. J'allais tomber. Moi, j'y suis tombé, mais j'ai peur de tomber dans un trou. Je place une mise à jour. Bon, à mon avis, c'est toi le plus proche. Attends, j'en ai un deuxième pas loin là, normalement. Ouais. Bon, je retourne pour aller valider la quête. Hein. C'est où? Bah, tu le ah, vois c'est pas là. Ok. Je cherche, je le trouve. Petit peu en hauteur. Rock. Bon. Bim! Retournez voir docteur machin. Bim! On était que passé quel niveau? Moi je suis niveau 24. Comme les créatures sont encore assez costaudes, elles sont 26 là. Ah ouais. Sur niveau où on a rocher, mais du coup on a pas trop monté en niveau. Bon bah ça oui. Sera... C'est ça le problème. Un peu plus de challenge, je pense. Tu peux pas comprendre contre le boss. Ouais, mais ça fait plus de challenge. Ah, mais ça, c'est indéniable. Personne va te. Alors, c'est vrai que. Pour information, alors je crois que je suis level que. Ayant perdu mon ancienne sauvegarde, parce qu'à force de faire des échanges entre deux PC. Ça y est, t'as perdu ton personnage de l'autre partie. J'avais perdu une progression, donc il est plus niveau 30, il est niveau 29. Mais en niveau 29 guerrier, j'avoue que contre le boss final, c'est assez facile. Ah. Ah. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Rien. Beau travail. Retournez voir docteur. Terminé la quête. Super, de l'XP. Allez, attends, ça fonctionne pas. Ça continue. Non mais continue à lui parler. C'est orange maintenant. D'accord. Parle-lui. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors. Activer la machine pour faire affluer de l'énergie dans le morceau de totem étrange. Récupérer le morceau de totem étrange réparé. Bon, attends, j'ai un truc utilisé. Ah, oh, attention! Ouais, je me pousse. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ah, bah, on peut récupérer ça? C'est ça là qu'il faut récupérer? Faut casser? Ah là, ouais. J'ai eu! Et puis on peut lui parler, vas-y. Tout est une question de ligne de force. C'est toujours une question de ligne de force. Les mesures que j'obtiens de ce cristal, c'est très étrange. Soyez prudent lorsque vous utilisez cette chose. Je vous en prie. Les données de localisation sont correctes, mais elles sont aussi, eh bien, fausses d'une façon ou d'une autre. Un ouais. Peu de pièce d'or. Que veux-tu faire ? Bah, c'est bon, partir. Ah tiens, c'est un marchand. Ah oui. Elle vend quoi? Non. Bah tiens, je vais acheter ce sort là.
Hein? Ça donne quoi? Je suis niveau 24, ok. Oula! Ah bah je balance des météores maintenant. Oh! Ah tiens, par contre, dans les sorts, tu sais, j'ai pas refait le point au niveau des sorts. Bombe de lumière, ça serait bien d'avoir bombe de lumière. On peut pas se le faire, sa bombe de lumière? Ce serait pas mal. Poussière de diamant, on avait récupéré des diamants? Des diamants? Ouais. Bref, bombe de lumière, ouais, faudrait qu'on se fasse bombe de lumière, ça serait pas mal peut-être pour le dernier boss. Alors, moi, ce que je te propose, comme on a. Voilà, comme on dit au début. Alors, là, on a eu le. Donc, normalement, l'objet pour ouvrir le portail. Ok. On peut aller faire Fête le singe. Voir ce que c'est. D'abord, il reste 35 minutes. Alors, ça, c'est des. Alors, je pense que c'est ce qu'on va pouvoir faire ensuite. Une fois qu'on aura fini. Bon, qu'on aura atteint la fin. On verra ce que ça donne. Mais selon ce qu'on a à faire après, quand pour continuer à jouer à Portal Knight. On pourra juste faire ses quêtes quotidiennes. On joue un peu et on fait ses quêtes. On pourra faire des petites vidéos. Ouais. Pour découvrir un peu ces petites quêtes. Ça alors, bon là ça va être assez simple. Attends, je vais prendre ma baguette d'Halloween. C'est plus drôle. Ah, j'ai pas posé ma hache tout à l'heure. Mince. Je la repose dans mon jardin. Je t'attends. Voilà, donc ici il y a marqué vaincre 10 Kapongo et 10 Kupongo. Ok, qu'est-ce qu'on prend? Peut-être la baguette. Moi j'ai pris la baguette d'Halloween. Pour ouais. C'est plus drôle. C'est pour toi, ouais. Esquive. Voilà. Et bon. Tête blanche. Les deux derniers. Ok, attention, je me désengage. Pour moi, pour toi. Pour toi. Hop, esquive, c'est bon. Parfait. Bon bah voilà, tu peux aller voir Karl. Faites le singe. Le collectionneur. Non, c'était pas Karl, lui il veut des dents anciennes. Donc okay. C'est bon. Bon bah on a fait la petite quête, on a récupéré, je sais pas si t'en as eu, moi j'ai eu une boule lumineuse, bon c'est bien. Toi t'en as eu une. Voilà. Ouais. Donc je pourrais un petit peu avancer normalement mon déguisement. Ah oui. Alors du coup on va continuer nous notre mission. On passe aux principale. Choses sérieuses maintenant. Voilà. Hein, allez. Bah du coup il y a encore un portail à ouvrir. Oui. Il n'y est pas encore tout ça à fait. Ça veut dire des pierres de des éclats. Ouais, alors ça je sais pas il y a besoin par contre. Bah ça va être vert. Hein. Vert. De toute façon. Ah. Ouais il me manque un fragment. Il te manque un fragment. Bon. J'en ai 7. Ah bah voilà. Alors bon, je peux me faire mon petit cube dans mon coin et puis je pose. Ah bah voilà, tout à fait. Allez go, comme ça on va pas perdre de temps ce coup-ci. On peut toujours se battre un peu, de toute façon. Ah mince, prends la lumière comme baguette. D'accord. Ah j'ai un trophée de météorite, tiens donc. T'as du diamant ou pas sur l'air ou sur toi? Alors, du diamant. J'en ai 20. Ah bah bien. Est-ce que tu pourrais faire... Bah du coup tu peux peut-être en même faire deux si tu veux pour toi. Il faut faire de 6 poussières de diamants solaires pour faire la bombe de lumière. Ok, tu veux que je te fasse de la poussière de diamants solaires, c'est bien ça? Voilà, il en faut 6. Et tu peux en faire 12 si tu veux le faire aussi pour toi. T'es sûr, hein? Oui. 6 poussières. Attends, je regarde si j'en ai pas déjà. Ah oui, voilà, c'est déjà ces petits sachets jaunes. Non, j'en ai pas déjà. Donc tu veux que je t'en fasse 6, ça me paraît beaucoup 6. Ah non, c'est bon, non, je peux en faire 6. Ah non, tu m'as dit que t'en avais 20. 2, 3, 4, 5. C'est 1 pour 1 de toute façon. Et c'est pour faire quoi déjà? Tu peux le faire tout de suite, c'est la bombe de lumière. Bombe de lumière. C'est au niveau hôtel 3. Et après, si t'as assez d'opales lunaires, moi j'en ai un petit peu sur moi, j'en ai 8. Ah, ça va être un peu plus rare ça. Il en faut 7. 7 poussières d'opale lunaire pour faire la bombe de lumière niveau 2. Ah ouais. Bon, moi j'ai ce qu'il faut. Hein. Donc si tu me donnes la bombe de lumière niveau 1, après je me débrouille. On va essayer. Alors la bombe de lumière, tu m'as dit que c'était hôtel 3, hein, c'est ça? C'est dans oui. Les. C'est quoi? C'est dans les armes? C'est où? Dans les sorts. Dans les sorts, ça doit être ça les sorts. Ouais. C'est 3ème en partant de la droite veux... sans compter le crâne. Tu veux pas que je te fasse la bombe de lumière 2? Mais non. Bah non, parce qu'il faut, il faut d'abord faire la bombe. D'accord. C'est ça, il faut la première d'abord. Allez, c'est parti. Ah, elle a l'air bien. Hein. Ah, bah tu peux t'en faire une si tu veux.
efficace contre les ténèbres. Donc je me dis que c'est très bien. Ça, c'est une riche idée. Voilà. Du coup, je vais la remplacer. Je vais remplacer mon éclair. Bah, après, tu peux le faire en niveau 2 et tu la gardes. Ouais, je vais peut-être la faire en niveau 2, ouais. Alors, si niveau 2. Bon, ici, je crois pas avoir vu de l'opale lunaire dans ce monde. Il en faut 7. Ah, bah attends, il est là le portail. Pour le boss. Oh. Ah, bah il est là. Attends, je t'attends. Vas-y, je te laisse activer celui-ci. Le portail est là. Donc, est-ce que j'ai assez, moi peut-être pouvoir me faire. Ma poussière. C'est là. C'est parfait. Merci. Ouais. Ouais, je vais pouvoir me faire. Ouais, je me fais un salto dans les. Si c'est 1 pour 1, c'est bon. Oui, c'est 1 pour 1. Donc, on est bien d'accord, c'est de la poussière d'opale lunaire. Hein. C'est le petit sac. Tu parles de faire quoi? Bah, pour la bombe de lumière niveau 2. À niveau 2, oui, et il t'en faut 7. Ah, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme j'en ai déjà une, normalement. Ah ouais, et tiens, on pourrait faire aussi le soin niveau 4. Oh, ça ce serait bien. Oh, c'est 500 points de. Il rebondit sur un allié à proximité. Ah. Quand on se soigne, il faudrait prévenir l'autre pour pouvoir soigner l'autre en même temps. On peut soigner les deux. Si on est là. Il faut être à proximité. Ouais, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Ce genre de phénomène. Ok, alors. On va essayer. Là. Donc c'est là. Bombe de lumière de niveau 2. Go. ramassez-moi. Alors. Tu veux que j'essaye? Bah oui, prends-le. Bah après sinon si tu faut veux. Que je te fasse là quand même. Hein. Ouais. Ça c'est. Il faut que je t'en fasse. S'il te plaît. Je te fasse au moins là 1. Hein. Alors normalement là 1 c'est bon. Enfin, il faut juste que je fasse de la poussière de diamant solaire. Donc on va faire ça. Parce que ça, c'est ce que j'ai pas. Tout. Il me reste 8 opales lunaires sur moi, sinon. C'était 6 ouais, 6 poussières de diamant solaire, je crois. Ouais. C'est ça, 6 et puis 7. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait goûter Attends, je vais poser, je vais ouvrir ce portail. Ça sera toujours ça de fait. On s'équipe comme vous constatez. Hein. Ouais. Voilà. Ah, tu l'as activé? Yeah. Ok, super. Donc je peux faire la bombe. Niveau 1. Et la bombe niveau comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La vaut. Il y a un truc à droite là, c'est pas ça là? Regarde. Qui s'est arraché, je pense, c'est vrai. Toi à droite là. Toi où je suis, il y a un truc qui est bizarre, il y a comme un petit carré. Ah ouais? Au fond là, c'est peut-être là qu'il faut le poser là, sur la droite là. Oh. Ah, t'as assis! Oh! Allez, go! Il est dedans! Dedans. Enfonce. Téléportation au Spock. Ce qui est bien, c'est que comme tu vas arriver 15 secondes avant moi, tu vas avoir le temps de le battre. Avant que je... Oui, bien sûr. Ouais, en 15 secondes, je vais le faire, tiens. Quand il pivote et qu'il tourne. Oh, toi, t'es déjà parti. Attention. Wow. Attends, tu vas voir. Ah, t'as vu, j'ai balancé la boule lumineuse là. Oui. Ça lui a rien fait du tout. Alors, toi, c'est quand il fait ça. Il fait au moins 2 fois. 3 fois. Oh, ah, voilà, ça y est, j'ai pas tenu 15 secondes. Bah. Oh là là! Toi non plus. Mais il me one-shoot. J'ai pas le droit de me faire toucher. Ah, mais attends, j'ai une potion. Parce que t'es tellement parti vite. Potion de protection contre les dégâts magiques. Ah, bah très très bien. Potion de soin, hop, c'est parti. Quand il tourne comme ça, pas trop traîner. Attention, alors là, attention. Alors par contre, quand il pivote, quand il tourne sur lui, c'est là où il faut en profiter. Toi, s'il est sur moi, c'est toi qui attaque. Par contre, je l'emmène sur toi, c'est pas forcément bon. Ça a rien fait, ça.
Non, mais ça, c'est pas c'est sur quoi, c'est sur lui. Aïe! Ah bah voilà, je suis mort. Oh, il est mort! Faut pas que tu meurs là, faut pas que tu meurs. Je suis tout seul. Si on perd la progression. J'ai rien. Attention, il va nous tirer dessus. Faut essayer de. Latéralement. Bah sur qui là? Bon, il va, je crois qu'il va sur toi. Ouais. Il arrive sur moi. C'est vraiment ce côté qu'il faut pas se prendre. Ah, j'en ai cassé un. Ouais, ouais, bravo, il en reste plus que deux. Il fait encore son tour là. Ouais. Attention, attention. Bravo! Et là, faille sur lui! Ouais, il est où? C'est ce truc là? Merde. Ah, j'ai plus de mana, ça marche plus le bombe de lumière. Tant pis. Insensible. Ça nous soigne en même temps la bombe de lumière. Ah oui? Ouais. C'est ce que me disait mon fils, et du coup j'avais pas testé donc je m'en rendais pas compte. Mais j'ai plus de mana. T'as pas de potion de mana? Je suis pas sûr. Ouh! Ok, là, attention, faut faire les esquives. Donc ça, il en envoie 3. Allez, faut que je bouge. Allez, va me péter. De toute façon, il va sur toi. Ouais, c'est pas grave. Attention, là, faut que je me barre. Ouais. Là, voilà. Vraiment à faire l'esquive latéralement. Tiens le coup. Oh. Ah mince. Il va sur moi. Ouh là là, j'ai failli tomber. Le cristal, ouais. C'est bon, allez, enfonce sur lui. J'ai du mana, j'espère. Ouais. Là, ça lui a fait bien mal. J'ai plus de mana, par contre. Cool. Allez, on se casse. Et au prochain coup, on peut peut-être l'avoir. Il commence comment, là? En ronde? Il balance. Troisième fois. Hop, c'est bon. Oh, il pivote. Il va peut-être balancer, il balance. Balance. Il arrive sur moi. Il va faire une toupie encore. Ouais. Ah, il balance. Ah mince. Ah non. Ouais, il a d'habitude, il tourne plus longtemps. Bah oui. Et c'est pour nous tromper. C'est ça. C'est bon, je suis là. C'est bon. Allez, enfonce sur lui. Oh, est-ce que j'aurai assez de mana, j'espère. Non, pas assez de mana. Allez, on va l'avoir. Oui, il est pas content. Encule. Pim, feu d'artifice. Oh yeah, on a plein les yeux. Yes. Victory is ours. Recette pour relique de lumière. Attends, recette pour relique de lumière, c'est quoi ça? Recette pour relique de lumière. Voilà, attends, je regarde l'artisanat. Ah, j'ai un truc de mana là, je vais la consommer. Voilà, mana à fond. Ah, cette relique semble briller plus fort que le soleil. Ok. Relique d'ogive. On peut faire des reliques d'ogive et des reliques de lumière, je sais pas à quoi ça sert. Bon, ok. Mais encore, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu le prince ténébreux. Alors ça, regardez, je sais ce que c'est. Regardez ce qu'il y a à côté de moi. Oh. Tu vois? Ouais. Voilà, à place de ma chouette, j'ai le prince ténébreux qui est à ma botte. Ah, c'est la classe. Je le possède. Non. Oh, c'est trop la classe. Donc voilà, c'est cool. Bravo, toi on a réussi, sans être numéro 30. On a réussi. Oh, par contre, on a fait la bombe lumière, je pense qu'il a bien servi. Yes.
Ouais, bah, t'es quand même bien équipé. On a plein de choses en plus, on a des armes en plus. Ouais. Pas mal là. Voilà, donc on l'a eu pour la deuxième fois. Juste avant d'aller le voir, j'ai monté mes points de constitution. Ah ouais. Oui, bien vu. T'as combien de cœurs? Alors. J'en ai 9. En constitution? Ouais. J'en ai 34. Non, je parle de cœur. Constitution. Ah oui, de cœur. D'accord. J'ai 21, ouais. J'ai 21, j'ai beaucoup moins. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 10. Ah, t'as un plus que moi. Allez, bon. On y va? Vas-y, attends l'honneur. Pouf. La porte. C'est pas la fin du monde encore, ou le bout du monde, mais. Ouais. Alors, voilà. La découverte de ce qui devrait avoir changé, évolué. On avait un monde, et puis. Voilà, il y avait ça. Et puis, il y avait rien. Voilà. Enfin, il n'y avait rien de spécial. Et là, je crois qu'on voit un petit personnage. Oui, déjà, alors la porte a l'air pétée. Ça, c'est mauvais signe. C'est revenu pour le 2. On lui parle ? Bah, vas-y, parle-lui. Landor, le gardien de la porte. Le roi fantôme a volé une relique dans notre forteresse, le cœur astral. Il contenait tout notre savoir relatif au réseau de portails qui recouvre ce monde. Est-il possible que vous l'ayez retrouvé ? J'en ai 2 cœurs astral. Faut lui en donner un ? Sûrement, avec le cœur, je peux créer une pierre de passage qui vous permettra de voyager jusqu'au foyer de notre ordre. Après tout, vous y avez mérité votre place. Oh, c'est cool. Tayo ! Attends, je vais lui donner du coup. Attends, faire ça. Ah, sac à dos plein. Tayo ! Alors, bah, je jette ça. Toison magique. Pierre de passage. Et je fais quoi? Et tu la mets dans le truc? Dans quel truc? Bah là, hein. Non. Qu'est-ce qu'il dit dessus? Cette pierre de passage, ancienne vibre d'énergie, où vous emmènera-t-elle? Regarde, là je l'ai dans la main. Ah, tu vois, il y a une. Il y a un deuxième. Un... En dessous là. En dessous quoi? Au sud. Mais. Ah bah voilà. Je l'ai juste utilisé. Voilà. Voilà. Sanctuaire du chevalier de portail. Donc là, ça c'est du. L'inédit qu'on n'a pas connu. Bon, déjà ici c'était nouveau. Le portail était pété, il est. Ah! Attention! Tandis que vous activez la roue. Ah ouais, il n'y a pas tout vu. Ça a été trop vite. Ce monde ne fut pas le premier à être dévasté par la fracture et il ne sera pas le dernier. Putain, ça va trop vite. Sous son emprise, le roi fantôme trahit les chevaliers. Eh oh, attendez! J'ai pas tant de tour! Vous avez redonné vie aux chevaliers du portail. Oh, c'est trop beau. Et ça va trop vite, hein. J'ai pas le temps de tout vous dire. J'adore. Oh! On vole au-dessus des nuages. Ou pas? Sanctuaire de chevalier du portail. Oh, niveau 30. Oh, 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 le château. Oh, 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 il est oh. Très haut. Ah ouais, il y a une haute tour. Oh, oh, t'as vu, regarde les drapeaux. Mm-hmm. Ça t'appelle rien, ces bannières? Si. C'est ce qu'on nous avait offert avec la bêta. Alors c'est vrai que par contre, je l'ai pu. Mais c'est ce qu'on avait au tout début. Je parle à garde Jane. Jane. Hello, Jane. Alors, bienvenue à la forteresse, chevalier. Je ne me souviens pas la dernière fois qu'un nouveau chevalier du portail est arrivé. Bienvenue. Je vois à travers. Au revoir. C'est un fantôme. Ouais. Bon, oh, les armures. Les escaliers, ouais, t'as vu. Garde Marvin. Hello. On peut pas quitter le château, mais on peut vous aider, ainsi que les autres nouveaux arrivants, à vous préparer pour vos périples. Bah d'accord, merci. J'ai cru voir un escalier ici. Je vais aller voir. De toute façon, on va finir sûrement là-dessus, parce que je vois qu'on a déjà une heure. Ouais, c'est déjà pas mal. On va visiter le château, on va voir ce qu'il nous offre, et on verra ça la prochaine fois, du coup. Une porte ici. Oh. Et puis bah, du coup, bah, prochaine fois, on s'occupe donc du château, puis après, on continuera juste avec les petites quêtes, je pense. En attendant qu'il y ait les events un peu particuliers, qu'on a eu pour Halloween, peut-être pour Noël, on va voir. Sympa, c'est bien. Très bien, très bien. Bon allez, tout le monde, à très bientôt. Bientôt, bye bye. Bye bye. Salut.